Dans le silence de la cathédrale Saint-André, l'émotion est palpable. Les fidèles ne peuvent s'empêcher de penser au terrible incendie qui a ravagé la toiture de Notre-Dame de Paris. Terriblement choqué parce que, en fait, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et c'est vrai que ça remue énormément, même si, effectivement, c'est loin de nous, mais bon. C'est bien triste. C'est une image de la France qui se détruit. Et du coup, ça, surtout à l'approche de Pâques, c'est pas évident. C'est important ce matin de venir voir une qui était debout, voilà, qui dit le temps qui passe, qui dit la foi qui reste. Je suis émue, j'ai mal dormi cette nuit, mais comme beaucoup. Le feu a démarré hier vers 19h dans les combles de la cathédrale. En quelques heures, la flèche et une bonne partie du toit sont réduites en cendres. Et même à 600 km de la capitale, on regrette la destruction partielle de ce monument. Même si on la restaure, ça ne sera plus la même. C'est un symbole de l'art de la France, quoi. Pour moi, c'est vraiment catastrophique, mais j'espère qu'on va se ressaisir et puis pouvoir avoir reconstruire ce bel édifice. Il faudra plusieurs dizaines d'années pour restaurer la charpente de la cathédrale. De nombreux appels aux dons ont été lancés pour financer les réparations.